Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Dites-nous, Président, comment est-ce que vous vivez cette situation de crise sanitaire liée au Covid-19? Eh bien, comme tous les Togolais, comme tous les citoyens du monde, hein, c'est une situation angoissante, stressante pour tout le monde. C'est une maladie qui est arrivée comme ça, sans crier gare, qui nous surprend, qui, dans nos habitudes, qui surprend tout le monde, qui fait des ravages. Donc, ça veut dire qu'il y a la peur qui est semée un peu partout. Personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc, c'est une remise en cause totale de nos modes de vie. Voilà. Vous êtes leader d'un parti politique. Qu'est-ce que vous dites à vos militants dans cette situation? Oh, ben, vous savez, au début, lorsque cette épidémie a commencé, nous, en Afrique, on voyait ça de très très loin. Et c'est en Chine, bon, on dit, mais c'est les Chinois. Et même les Européens croyaient que, bon, cette affaire-là, c'est loin, en Chine. Et puis après, ça atteint l'Europe, et puis ça atteint les États-Unis, et puis après, on dit que ça vient en Afrique. On nous a avertis, mais les gens n'y croyaient pas tellement. Les gens disent non, ça c'est une maladie de noir, de blanc. Chez nous ici, ça ne va pas arriver. Et il y a beaucoup de théories qui ont été développées. Si bien que ici, surtout en Afrique et au Togo, les gens ont développé une forme de scepticisme par rapport à la maladie. Mais pour les amener à prendre conscience du danger qui nous guette, je dis, mais ça a été un combat de tous les jours. Et ça, c'est un combat de tous les jours. Et il y a des citoyens qui continuent à ne pas croire que réellement cette maladie existe et que le mal est à portée de nos maisons. Donc tous les jours, nous essayons de sensibiliser, de continuer à sensibiliser. Et vous vous rappelez. Et moi, on a sorti un communiqué, ce n'est pas le dernier communiqué, on en a déjà sorti. J'ai même, au moment où j'étais en plein confinement, j'ai sorti une chanson pour aider nos citoyens de là-bas à comprendre. Donc ça veut dire que c'est une bataille de tous les jours pour que nous puissions sortir de cette situation compliquée et difficile pour nous tous. Dans le dernier communiqué de vous avez soulevé certaines observations par rapport aux mesures prises par le gouvernement. Est-ce que, selon vous, ces mesures-là sont insuffisantes ou elles souffrent de quelques carences? Eh oui, mais vous savez, lorsque la maladie est arrivée, ce que l'Occident, l'OMS, les experts craignaient surtout pour l'Afrique, c'est que nos structures sanitaires sont totalement défaillantes. Et compte tenu de nos modes de vie ici, où on est proches les uns des autres, où pour des funérailles, on s'agglutine et tout ça, lorsqu'ils ont projeté ça au regard de nos structures sanitaires, ils ont prédit la catastrophe pour nous ici en Afrique. Et vous savez que depuis longtemps, ceux qui travaillent dans nos hôpitaux ont tiré pendant longtemps sur la sonnette d'alarme en disant « Hey, faites attention, nous sommes en difficulté, aidez-nous à surmonter cette difficulté-là. » Mais le gouvernement n'a pas réagi à temps utile par rapport à ces difficultés-là que les hôpitaux avaient ici chez nous. Les grands médecins avaient crié plusieurs fois, plusieurs années.